à l'exécutif. D'ailleurs, on fait plus confiance à François Hollande. On a aujourd'hui un François Hollande qui est confronté, certes, à une rentrée difficile, on pourrait dire comme toutes les rentrées, mais particulièrement, ce qui en fait la spécificité, c'est l'intensité des attentes qu'expriment aujourd'hui l'ensemble des électeurs, et particulièrement les électeurs de gauche. On a à la fois des attentes très vives en matière, bien sûr, de croissance, de pouvoir d'achat, d'emploi, mais on a aussi des attentes sur des sujets très sensibles, je pense en particulier au prix du carburant, la question de l'insécurité. Et puis enfin, on a des attentes, effectivement, en matière de justice sociale, l'interdiction des licenciements boursiers, ça vient effectivement de la gauche de la gauche. Il arrive un seuil à partir duquel la question du prix des carburants devient intolérable. Alors à partir du moment où Pierre Moscovici a annoncé des mesures sur ce sujet-là, on a aujourd'hui une opinion publique effectivement qui attend des mesures fortes, significatives. Donc ce sera un marqueur très important parce que ça touche à la fois la vie quotidienne des Français, ça touche le pouvoir d'achat et pour partie ça touche aussi des éléments de justice sociale. La popularité de François Hollande, certes élevée à 55%, est néanmoins plus faible que celle de ses prédécesseurs à la même époque. Nicolas Sarkozy, à l'été 2007, bénéficiait d'une popularité à 67%, donc beaucoup plus importante. C'est en train d'être actualisé. Voilà, où on voit que...